Ok, c'est Morsay. Bonjour ou bonsoir, ça dépend dans quel pays, quelle ville vous êtes. Bien entendu, parce que j'ai des personnes qui me suivent dans le monde entier. Donc je vous passe un grand bonjour de tous les pays au monde. Voilà, je faisais ce soir cette petite vidéo par rapport à une personne que j'avais déjà vue. Et je suis un peu choqué et puis un peu dégoûté et un peu déçu de cette personne. D'ailleurs, envoyez-lui cette vidéo pour qu'il voie bien que les vrais youtubeurs, les boss des boss, les débuts, le numéro 1 de YouTube, est fâché. Donc, je pense que vous savez tous c'est qui. Alors, je vais vous dire c'est qui. C'est ce petit, je sais pas comment le décrire, ce petit qui ressemble à rien du tout, qui s'intitule Norman. Voilà. Donc, je m'en prends à Norman aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que comment ça se fait qu'encore des gens qui y arrivent, qui réussissent, qui deviennent, qui ont un public qui les suit, qui les soutient. Comment on peut être raciste comme ça et être encore normal? Oui, le racisme, c'est normal. Tu sais, grosse dédicace à toutes les couleurs du monde. Surtout à nos Africains, grosse big up à vous. Parce que je sais que vous ressentez beaucoup le racisme au travail, dans la vie et tout ça. Et puis, je remercie le producteur du film qui a mis une fille d'Afrique. Bravo, félicitations. Parce que on le voit qu'il y a des gens, ils sont jaloux. Il y a des gens qui ne veulent pas que les robots ou les renois marchent, réussissent. Et grosse dédicace à tous les Français qui sont pas racistes. C'est eux les meilleurs pour moi au départ des départs. Et grâce à eux, aujourd'hui, le monde roule et tourne bien. Donc, Norman. Déjà, tu as eu beaucoup de problèmes avec des mineurs, des enfants, des filles, tellement que tu es incapable de serrer une fille de plus de 20 ans, tu vois, tu n'arrives pas parce que c'est, ils ont un cerveau, ils ont un QI, et toi, tu vas attraper les enfants presque aux couches. Donc, moi, je te dis, on s'était déjà vu une fois sur Paris, hein, au bar de mon ami. C'était avec deux, trois petits vieux, je ne sais pas ce que vous faisiez, je ne vais pas à vous juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu étais un peu en panique quand tu m'as vu. Moi, je suis quelqu'un de gentil, poli, respectueux. Mais tu as de la chance que ce que tu viens de faire là comme spectacle il n'y a pas longtemps, tu ne l'avais pas fait avant qu'on se rencontre. Parce que je peux te dire que tu n'auras pas bu ton verre tranquillement. Voilà. Tu sais, il y a des gens qui souffrent avec le racisme. Et puis toi, tu viens, tu fais un spectacle, tu essaies de gagner de l'argent en faisant ces propos racistes. T'as pas honte. Tu es plus un artiste pour moi. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça. Donc, soit tu fais une vidéo et tu t'excuses, comme un bonhomme, soit continue à faire tes conneries et tu auras bien un qui va passer un jour dans la rue et que tu vas t'en manger une bien dans ta bouche. Et ça va te faire réfléchir tout seul. Moi, je suis pas pour qu'on te frappe. C'est pas ça du tout que je suis en train de faire comme message. Au contraire, moi, je préfère que tu t'excuses et puis c'est réglé. Parce que c'est un manque de respect. Toi, tu es blanc, mais tu aurais pu être un robeux, tu aurais pu être un renois. Tu vois? Quand on est né, on ne demande pas la couleur qu'on veut. Donc, respecte toutes les couleurs parce que tu es un enfoiré sinon. Pour commencer, ensuite, tu sais, des mecs comme Jamel Debbouze qui font des spectacles, comme Eric et Ramzy qui font des sketchs H et tout ça. Ils savent jouer parce qu'ils critiquent sur eux, ils savent faire des trucs avec intelligence. Mais toi, tu sais pas le faire avec du tout intelligence. T'es qu'un petit youtubeur qui est arrivé derrière moi et qui veut gratter le buzz. C'est tout. Donc, tu vois, moi, je te préviens encore une dernière fois. Fais tes vidéos marrantes, fais tes trucs, fais kiffer tes fans et arrête de faire le racisme. Parce que si tu veux gratter du buzz ou tu veux avoir du FN dans ton truc, en tout cas, tu auras Morsay de l'autre côté. D'accord? Donc j'espère que le message est très bien passé. J'espère que tu vas arrêter de faire ces conneries-là. J'espère que tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de créer. D'accord? Parce que quand moi je t'ai vu, tu étais en face de moi, t'as pas dit un mot. Tu sais, un mot. Tu l'as pas fait. Et ça se sentait dans tes yeux et t'as peur, tu te chiais dessus ce jour-là. Eh oui, je connais le patron. Eh oui, tout le monde vient me faire des photos. Parce que moi, je ne me la raconte pas. D'accord? Donc, prends exemple à les vrais anciens, les vrais youtubeurs, et commence pas à faire ton malin parce que tu as plein de fans qui te suivent.
Tu vas en perdre beaucoup si tu continues à faire le cake. C'était Morsay. Grosse dédicace à tous ceux qui sont pas racistes. De toutes sortes de pays, je dis bien. Hein. Même les rebeux et les renois, hein, ceux qui sont racistes des blancs, j'aime pas. Je vous aime pas et je ne serai pas avec vous. Moi, je suis pour toutes les couleurs unies, parce que le monde appartient à nous tous, n'appartient pas à une personne ou à une couleur de race, bien entendu. Donc, moi, je suis contre le raciste et je serai contre le raciste jusqu'à ma mort. Vive toutes les couleurs, vive tous les pays, vive toutes les races et les racistes crevez les yeux ouverts. C'était Morsay. Faut qu'aussi les Illuminati de passage, ils sont à 45 rue Paulbert, vous pouvez les acheter et les récupérer quand vous voulez. Et aussi, il faut que les racistes qui arrivent à partir de samedi. T-shirt, faut que les racistes. Je vous embrasse. Ciao.